Fatima est une ville de pèlerinage de renommée internationale. Elle est le lieu où la spiritualité, la foi et l'espoir se rencontrent. Avec près de 6 millions de pèlerins et de visiteurs par an, Fatima est l'un des plus importants lieux de pèlerinage au monde. Le sanctuaire de Fatima était un lieu inconnu jusqu'en 1917, où trois jeunes bergers, Jacinta, Francisco et Lucia, sont témoins d'apparitions successives de la Vierge, entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. Le 13 mai est la date de la première apparition. Elle marque le début des célébrations qui commencent par la procession au flambeau. Des milliers de cierges et de fidèles remplissent l'esplanade du sanctuaire. Une ambiance magique de dévotion religieuse. Croyants s'empressent de venir baisser la statue de Jean-Paul II avant d'emprunter à genoux la petite bande de marbre qui traverse l'esplanade. L'esplanade deux fois plus grande que la basilique Saint-Pierre. Des dizaines de milliers de pèlerins cheminent le long de la grande place aux dates d'anniversaire parce qu'ils ont formulé un vœu qu'ils souhaitent qu'il soit exaucé. Dans une bonne humeur générale, jeunes et vieux se suivent à la queue leu-leu, un tableau haut en couleur. À 43 km de Fatima, à l'intérieur des terres, Alcobaça, ville monacale, dominée par son monastère, construit sous l'égide des moines de Sisto. Un monastère impressionnant, il abrite l'église la plus grande du Portugal. Le monastère d'Alcobaça est le premier monument gothique du Portugal. Véritable chef-d'œuvre, il a connu plusieurs remodelages et agrandissements. On entre par l'église Santa Maria. Elle propulse les clés de voûte et sa nef à plus de 20 mètres de hauteur. Les tombeaux du roi Pedro et de la reine Inès de Castro se font face dans le transept. La légende dit que c'est pour mieux se réunir au paradis. Le cloître du silence, ainsi appelé parce que les moines qui le parcouraient étaient contraints à ne piper mot. Il est planté d'orangers. Œuvre de la Renaissance, il fascine par la pureté et la simplicité de ses lignes. L'impressionnante cuisine gigantesque avec sa cheminée carrelée date du XVIIIe siècle.